De retour dans Tout sur un plateau, deuxième partie, toujours avec notre invité Jean Robin. Jean Robin, dans un instant, on va parler de XL Art, la Biennale des Arts en grand format, puisque vous avez été rejoint par votre complice et néanmoins ami David Bacconi. Merci de nous avoir rejoint, David. Merci à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Ravi de vous accueillir en tout cas. On est aussi avec notre fée coachette Fabienne, on parlera tout à l'heure de comment... C'est quoi? Même pas peur. Même pas peur. J'aime beaucoup cette thématique et on accueille aussi... Comment vous appelez? Je sais plus. On rigole. Léopold Bélanger, bien sûr. Ça va Léopold? Ça va super bien. Merci d'être avec nous. Jeune cinéaste tourangeau, on aura l'avant-première de votre premier court-métrage. C'est Le sens de la vie qui sera diffusé jeudi soir au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. On verra ça dans un instant. Mais donc, direction avant tout ça, l'espace Nobuyoshi de Saint-Antoine-du-Rocher avec vous deux, nos invités, donc Jean Robin et David Bacconi. Vous allez nous emmener donc à cet événement, c'est la biennale, la quatrième biennale XL Art, 1er, 2, 3 et 4 mai. Alors, c'est la quatrième, je l'ai dit, édition de cet événement dédié à l'art en grand format. C'est devenu un vrai rendez-vous. Maintenant, finalement, le public l'attend avec impatience. Mais ils l'attendent d'autant plus avec d'impatience qu'il y a 10 000 personnes à peu près qui viennent nous voir. C'est énorme quand même. C'est énorme. Voilà, c'est vraiment un gros succès. Parce qu'il y a une grande qualité, je crois, au niveau des artistes aujourd'hui. Il y a 62 artistes qui seront présents sur la Biennale XL Art. Des artistes de tout horizon, c'est-à-dire des peintres, des sculpteurs. Et la nouveauté cette année, des illustrateurs, dont David parlera tout à l'heure. Mais aussi des photographes, aussi des sculpteurs. Et tout ça en grand format. Totalement pluridisciplinaire et transversal. On a de la photo, de la peinture, de la sculpture, des performances. Et puis, donc, maintenant, une innovation avec l'illustration. C'est une nouveauté que vous avez mis en place. Dans quelle démarche, justement? En fait, là, pour l'instant, c'était très art contemporain, ouais. Donc, ce qui est très bien. Mais l'illustration a quand même une grande part, et notamment la bande dessinée dans l'art actuellement. Donc, on a voulu rentrer le grand format au niveau fresque, par exemple. Donc, alors, des artistes comme Manchu, Étienne Leroux et Vincent Froissart qui vont faire une performance sur les 4 jours. Et alors, pour ces trois artistes, ils sont tous issus de la bande dessinée. Manchu, pour avoir une idée, c'est lui qui a conçu les vaisseaux du 31, donc là pour le côté animation. Totalement voilà. Culte. Tout de suite, là, ça parle. Ah, oh, mais oui. Donc voilà, et puis sinon, donc, tous les trois sont des stars maintenant en termes de BD ou d'illustration de science-fiction. Et on fait venir aussi Virginio Vona, qui est un illustrateur de BD italien, qui fait partie aussi de Bureau 21, et qui, lui, va nous faire une performance assez rapide. C'est un peu du. Alors, ça s'appelle du leaping. En gros, très rapidement, il va devoir faire une œuvre de 3 mètres carrés. On connaît hein, voilà. Ça, c'est système. Et ça, voilà, et ça, c'est sympa. C'est en musique, et puis alors on... Exactement. On se rend pas compte au début de ce que c'est. On a déjà vu ça à la télévision. Là, on aura l'occasion de pouvoir l'expérimenter justement en temps réel. Et à savoir que cet illustrateur-là, récemment, a été exposé aux côtés d'Enki Bilal, ouais. Donc un autre grand maître de la bande dessinée. C'est une référence, hein, quand même. Voilà. C'est bien aussi de mettre l'illustration un petit peu en nouveauté, puisque c'est vrai que, notamment depuis les événements de janvier, on a repris aussi beaucoup goût à l'illustration, au dessin, et on sait aussi le pouvoir qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne avancée. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la scénographie, parce que quand on se retrouve avec des œuvres de cette taille-là, et puis aussi diverses, hein, on l'a dit, de la sculpture, de la performance, de la peinture, de l'illustration, donc comment est-ce que vous allez justement accompagner le visiteur à découvrir toutes ces œuvres d'art, surtout s'il y a 62 artistes? D'abord, les lieux sont magiques. Ça, c'est vrai. Bon, c'est une verdure, c'est végétalisé. On a développé un concept justement autour de la végétalisation, un petit peu, des espaces. Et donc, toute l'exposition, il y en a aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des serres immenses, ouais. Hein, des serres monumentales, où on a essayé de mettre en valeur les toiles des artistes, les photos des photographes, pour permettre justement aux visiteurs de rêver. Hein. Le but, c'est d'amener du rêve. De s'évader, hein, bien sûr. Voilà, hein. C'est d'amener du rêve, mais en même temps aussi, c'est que la nouveauté aussi de cette année, c'est que beaucoup d'artistes, pour la plupart, viendront vendre d'autres œuvres que le grand format. Parce que le grand format n'est pas accessible à tout le monde. On n'a pas non plus tous la place chez nous de mettre une toile en 4x3. Voilà. Donc chacun des artistes va présenter d'autres œuvres à chacun des visiteurs et permettre d'acheter. Et puis on termine parce qu'on est déjà au bout malheureusement, mais il y a un hommage qui va être rendu aussi, bien entendu, à l'un des grands artistes tourangeaux qui est malheureusement disparu en 2012. C'est Norbert Paget qui va être au thème central, on va dire, de cette édition. Voilà. Il sera là au pavillon avec plusieurs toiles d'exposer. C'est un artiste qui travaillait énormément sur le grand format également.
Et bien voilà, à redécouvrir bien entendu. Et puis juste, je voudrais préciser quand même, il y a une dernière chose à dire sur cette biennale, c'est que c'est pas seulement une exposition, pas seulement un spectacle, c'est aussi une rencontre, puisque les artistes sont là sur place, ils sont présents à disposition des visiteurs pour pouvoir discuter. Il y a de la restauration, même on peut aller prendre un café avec les artistes, et ça c'est sympa. Et puis surtout, un point, c'est remercier Keiko et Dominique Beauchesne de nous accueillir dans leur espace, à la Mulonnière, à l'espace Nobuchi. À l'espace privilégié même. Laissez-vous happer dans les grands formats donc de cette biennale 4e édition XL Art, c'est 1er, 2, 3, 4 mai, je vais y arriver, c'est pas simple ça. Espace Nobuyoshi donc de Saint-Antoine-du-Rocher, www.espacenobuyoshi.com pour toutes les informations. Merci à tous les deux d'être passés par chez nous. Allez, cinéma maintenant avec notre dernier invité. Qui êtes-vous déjà? Non, on va arrêter cette blague pourrie. Léopold Bélanger est avec nous, bien sûr. Projection en avant-première de votre premier court-métrage. Ça s'appelle Le sens de la vie. Et c'est un vrai bébé, là, pour le coup, puisque vous êtes acteur dans ce projet, scénariste et aussi réalisateur. Mais on ne devient pas cinéaste comme ça, en vrai, Léopold. Vous nous racontez un petit peu votre parcours. Alors, moi, j'ai commencé par du théâtre. Je suis passé par le Conservatoire de Tours. Et puis après, j'ai eu envie de faire du cinéma. Donc, j'ai rejoint l'association Les Tontons Filmeurs, qui ont produit le court-métrage Le sens de la vie. Bien sûr. Et avec eux, j'ai participé à, je crois, une dizaine de courts-métrages en tant qu'acteur. Oui, ils sont très actifs sur le territoire, Les Tontons Filmeurs. Oui, complètement. Et puis ensuite, j'ai passé des castings, ça n'a rien donné la plupart du temps. Et puis jusqu'au jour où j'ai passé un casting pour un film de Jean-Pierre Mocky, qui m'a pris. J'ai joué donc dans 3 films depuis avec lui, un 4e bientôt. Et puis c'est un peu lui qui m'a donné vraiment le goût du cinéma, quoi. Oui, puis c'est pas un mauvais maître à penser non plus, Mocky. Non, c'est très franc. Il y a de la réflexion derrière, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez voulu explorer justement avec ce premier court-métrage? Quand on est sur un plateau de tournage en tant qu'acteur, on se demande comment ça marche, en fait. Et du coup, j'ai voulu tenter l'expérience, alors que je ne suis pas du tout réalisateur, je ne suis pas passé par une école de cinéma ou autre chose. Voilà, je voulais tenter un petit peu, c'est un peu mon école, de d'écrire un scénario, de le réaliser, et voilà, ça coûte moins cher qu'une école. C'est ça, au terrain. Très bien. Eh ben on va en parler après de cette expérience du terrain. Est-ce que vous avez découvert, justement, que vous n'avez peut-être pas forcément vu? On s'imagine toujours, on a toujours une idée des projets. Et puis quand on est dans la réalité, on a forcément des choses à adapter. Mais avant ça, on découvre le teaser. Une famille. L'un des plus gros mystères du monde. Comment pouvons-nous savoir que nous appartenons à la famille dans laquelle nous avons été élevés? Quelqu'un s'est-il déjà rappelé le jour de sa naissance? Nous sommes enfermés depuis que nous avons vu pour la première fois la lumière du jour dans un carcan familial défini sans nous poser de questions sur les liens du sang. Il n'y a que quand nous essayons de percer le mystère familial que la vie, d'un jour à l'autre, peut vous paraître incroyable. Et voilà, revenons donc sur l'expérience, le sens de la vie. Vous nous racontez un petit peu comment s'est passé le tournage. En plus, on voit que vous vous êtes mis une difficulté supplémentaire, un enfant. Ah oui, bah, j'ai eu, de je tourner crois que avec les enfants. J'ai mis toutes les difficultés possibles et imaginables sur un premier film. Déjà, c'est un court-métrage qui dure 21 minutes, donc c'est assez long pour un court-métrage. C'est presque un moyen-métrage. Voilà, on est quasi au moyen-métrage, à 9 minutes près. Et puis je me suis mis plein d'obstacles en fait pour ce premier cours, c'est-à-dire que j'ai pris une grosse distribution, il y a beaucoup d'acteurs sur ce film, il y a un enfant dans la distribution, voilà. Oui, donc jouer. Des gens qui avaient, alors forcément qui avaient déjà été dirigés, puisqu'il y a des acteurs effectivement d'envergure, ouais. Et puis un enfant, on sait que c'est pas simple, c'est toujours, c'est Gérard Jugnot je crois qui disait, le plus difficile c'est de jouer avec un animal et avec un enfant. Oui, et à diriger c'est pas évident non plus, mais elle s'en est très très bien sortie, elle s'appelle Calypso Berthelot la Baronne, elle a 9 ans, c'est une... C'est un nom qui en jette, ça, dit ah ouais. Ça du panache. Hein. C'est ça. et je l'avais en cours de théâtre avec moi, et puis elle correspondait à ce que je cherchais à ce moment-là. Donc voilà, ça s'est assez bien fait. Et puis après, j'ai pris, oui, une grosse distribution, parce que c'est important aussi. Moi, c'est pour travailler que j'ai fait ça aussi, mon jeu d'acteur, etc. Et c'est important d'avoir des gens qui ont de la bouteille dans le métier, ouais. pour apprendre en les regardant, en fait, tout simplement.
Tout à fait. Ben voilà, donc ce sera projeté en avant-première jeudi soir au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. L'occasion de tirer un coup de chapeau à toute l'équipe qui a participé, bien sûr, à ce projet et aussi d'échanger avec les tout nouveaux spectateurs, les premiers spectateurs en tout cas. Ouais. Vous avez un peu la pression ? Ah, ben bien sûr. Ben oui, évidemment. Bien sûr. Bon, en tout cas, je doute pas que ce sera de qualité. Merci beaucoup d'avoir été avec vous, Léopold Bélanger. Projection donc en avant-première du premier court-métrage de Léopold Bélanger, Le sens de la vie, au Nouvel Atrium, à 19h30 à Saint-Avertin. Il y a une page Facebook, un événement Facebook si on veut retrouver toutes les informations. Allez, on marque une courte pause. On va juste dire au revoir. Ah, qu'est-ce que je dis, au revoir, j'ai oublié parce qu'on a changé les choses. Je sais, c'est vous, mon cher, qui allez nous quitter. Bien sûr, David, merci beaucoup d'avoir été avec nous, David. Et puis aussi, Jean, on va vous laisser partir. On va se retrouver, nous, en troisième partie avec Aymeric Rouillac, qui vient avec un invité ce soir. Et puis aussi, on parlera des conseils de notre fée coachette, Fabielle Kotbok. À tout de suite.